Bonjour, je m'appelle Rudy Patard et je suis ex-doctorant. Alors, ce que vous voyez là, et dont probablement une partie d'entre vous n'arrive pas à lire, c'était le texte que j'avais préparé, il y a de ça quelques semaines, qui tombe tout pile en 7 minutes. Alors, je fais un petit listing sur les obstacles normatifs que j'ai rencontrés dans mon milieu, dans mon champ, dans ma thèse. Et puis, puisque c'est un mot du jour, j'ai renoncé. Pardon, Aude. J'ai renoncé à ça, j'ai eu plusieurs idées au fil de la journée. Et je me suis décidé pour un truc semi-participatif. Alors là, dans cette salle-ci, on ne va pas pouvoir pousser les chaises pour faire un débat mouvant dans les règles de l'art. Donc on va essayer de faire ça un petit peu à main levée. Donc j'ai préparé les questions. On va commencer par essayer de voir un petit peu qui est dans la salle. Et, ouais, j'ai peut-être préféré. Et donc, j'avais envie de savoir qui était titulaire dans l'enseignement supérieur et la recherche dans la salle, c'est-à-dire enseignant, chercheur, ingénieur de recherche, ingénieur d'études, à main levée. Qui les émérites aussi, oui, revendiquez-vous. D'accord. Est-ce que vous vous jugez une petite moitié? On est d'accord? Est-ce que d'ici une grosse moitié? Une grosse moitié? Une grosse moitié. Alors maintenant, merci. Est-ce qu'il y a des non-titulaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'étudiant, licence, master, jusqu'au post-doc à terre? Oui, quel que soit l'âge, hein, j'ai pas. Ouais. Un tiers, on dit un tiers. Et alors, il y a une hésitation là-haut, non? Et des gens qui se considèrent pas du tout dans l'enseignement supérieur et la recherche, il y en a? Bon, on va dire le reste parce que j'ai du mal à faire le pourcentage. Alors, oui, pardon. Hélène me surveille, j'ai mis sur mon cahier les biatos. Alors du coup, je vais enlever le i pour les ingénieurs, mais les bibliothécaires, techniciens, les agents qui participent au fonctionnement de l'enseignement supérieur et la recherche, mais qui n'ont pas particulièrement de rôle dans l'enseignement et la recherche quand on est dans la salle avec les élèves ou devant son article scientifique. Il y a des biatos? Non? Du tout? Oui? J'ai une main? Non? C'est rigolo parce que sous vos gradins, là, il y a une genre d'espèce de salle de pause. Vous pourrez aller discuter. Ils sont rigolos, ils sont sympathiques. J'ai des questions un petit peu plus gênantes. Alors, le but, ça va être de continuer de lever la main. Alors, on va parler un peu violence, pour faire les choses sympathiquement, que ce soit institutionnel, personnel, physique. Verbal. Alors je vais demander aux gens dans l'assistance de lever la main s'ils considèrent qu'ils ont déjà subi des violences au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors j'ai dit institutionnel, physique, verbal. Donc là on est arrivé à une vingtaine. Chacun comment il le ressent. C'est pour ça que j'ai demandé de façon très vague, si vous considérez que c'est pas de la violence. Alors du coup, maintenant, on va lever la main. Alors, pardon. Hop. Maintenant, on va lever la main et on va dire combien estiment qu'ils ont commis un acte de violence, que ce soit institutionnel, verbal, physique, hiérarchique. Bon, voilà. Là, c'est un peu dur quand même. On peut avoir des soupçons, mais faut y réfléchir. Réfléchissez-y un petit peu, et puis quand vous serez sûr. Oui, alors je vais pas rentrer dans des échanges de définition, parce que je pense que je vais pas avoir le temps. Moi, par exemple, j'ai essayé un peu de forcer une stagiaire que j'ai eue sous ma direction pour qu'elle travaille dans un sens opposé à celui que voulaient mes encadrants. J'avais la supervision d'un stage, une étudiante Erasmus, et je savais qu'en la poussant dans une direction, je poussais contre aussi mes encadrants et mes directeurs. Ça, j'en étais conscient. Donc, infliger quelque chose qui potentiellement peut avoir des conséquences qu'on juge soi-même
négatif pour la personne. J'ai trouvé ça que c'était violent. Voilà. Et donc, comme il y a des gens qui ont subi de la violence, des gens qui estiment avoir commis de la violence ou qui ont des soupçons, je vais demander, sur les 2 minutes qui restent, de réfléchir en termes d'irresponsabilité de la personne chercheuse. Si vous avez des idées dans la tête, ou même des germes d'idées, hein, c'est pas grave, contre cette irresponsabilité individuelle de la personne chercheuse, est-ce que vous avez des idées ? Donc là, on peut juste avoir une idée. Hein, je demande juste si vous avez des idées contre ça. Vous avez une idée d'action. Ah oui, si on faisait ça, oui, ça pourrait réduire cet acte de violence, cette domination, changer la nature de la recherche et la rendre plus responsable. Lutter contre l'irresponsabilité. Est-ce que vous avez une idée d'action ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ça levé par là après. Bon, j'ai donc une vingtaine de mains levées. Merci. Alors, si vous avez cette idée que vous allez mûrir... Ici, j'ai démarré un Framapad. Normalement, j'ai zoomé pour que, dans le fond, on arrive encore à lire. C'est une sorte d'acte en direct. Donc, vous pouvez tous aller écrire si vous avez un appareil connecté. Je mettrai, par rapport à ce qu'on a retranscrit, la composition grâce aux enregistrements, les bandes, tout ça. Ensuite, on mettra les quantificatifs au niveau des questions. Et ensuite, on écrira les idées d'action. Si vous avez un doute sur si vous avez commis un acte violent ou autre, ou que vous jugez violent, vous après, c'est pas grave. Et ensuite, ce contenu-là, on peut aller le mettre dans quelque chose de plus pérenne. Donc là, j'ai intitulé le wiki recherche responsable. Donc là, quand on compile, hein, ça donne des trucs au début bien moches. Faut pas en avoir peur, ça se raffine par après, on réécrit dessus. Et ça, c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse. J'ai essayé de déconstruire la norme des pratiques de la recherche, essayer de bousculer un petit peu les gens. Les gens n'aiment pas qu'on les bouscule, surtout quand on remet en cause leur expertise. Et je pense que là, j'ai déjà dépassé de 30 secondes. Et donc, je vais passer la main à Hélène.